Fondation Connaissance et Liberté Focale célébre journée mardi à 20e anniversaire existence li. Une activité qui te réunit plusieurs personnalités dans monde culturel et littéraire haïtien. Dans occasion, présidente Focale la madame Michel Duvivier Pierre-Louis présentait diverses réalisations fondation en tant que programme bibliothèque communautaire qui dans quatre coins pays a programme appui dans ça qui concerne éducation, création réseau l'école verte et la trier. Madame Michel Duvivier Pierre-Louis a porté plus précision devant caméra d'Elson Gersin. Aujourd'hui, Focal est surtout connu pour ses actions dans les domaines divers et dans les domaines suivants. Son programme de bibliothèque de proximité. Ah, voilà, c'est relevé. Voilà. Alors, nous avons créé un programme depuis 1997, un programme 1996, un programme de petite bibliothèque de proximité dans tout le pays. Et sur la carte, vous voyez les flèches qui représentent l'ensemble de cette petite bibliothèque animée par des groupes de jeunes qui ont été formés par nos formateurs et nos formatrices sous le leadership d'Elisabeth. Quelques images des bibliothèques. Au-dessus de nous, la bibliothèque Monique Calix, où il y a souvent des animations de toutes sortes avec les jeunes, des clubs de lecture, des débats. Et comme vous voyez, c'est une bibliothèque très fréquentée. Tous les jours, nous accueillons énormément de membres pour toutes sortes d'animations, de débats, de lectures. Mais également les enfants, les tout petits, qui font l'apprentissage de ce que c'est que de, aussi de découvrir ensemble, mais individuellement, ce que c'est que la lecture. Et aussi cette forme de socialisation que permet la bibliothèque. Ici, ce sont les techniciens de bibliothèque, puisque nous avons ici nous avons pu élaborer toute une formation que nous dispensons aux animateurs et aux animatrices de ces quelques vingtaines de bibliothèques aujourd'hui à travers le pays. Nous en avions beaucoup plus. Mais nous avons évalué et avons gardé celles qui ont quand même un caractère beaucoup plus dynamique. Là aussi, c'est après une formation, tous ceux et celles qui sont venus de la province, de Liancourt, de Bestel, de Fond-Parisien, de Vallière, de Jérémy. Et chaque année, nous les réunissons pour une mise à jour et une formation. Alors, deuxième champ, programme d'appui à l'éducation dans toute la chaîne éducative de la petite enfance à l'enseignement supérieur. Ici, notre collègue David Bouchon est à Grand Plaine. Grand Plaine est la 5e section communale du Nouveau-Monde où il a été créé par des gens de la zone, hein, sous le leadership de Gaston Jean. Il a été créé et de ses collègues. Un réseau d'écoles vertes, 55 écoles vertes qui sont en train de reboiser toute la section communale. Et d'ailleurs, la semaine dernière, ce réseau a eu le prix total pour le travail accompli par des élèves et des élèves comme celle-ci. Et Total a offert à l'AOG, qui est l'Association des originaires de Beaumont, le prix total pour leur investissement dans l'environnement et nous sommes très fiers avec eux que ceci a pu se faire dans une section communale où patiemment, avec beaucoup de leadership, mais d'investissement, d'engagement citoyen, un peu plus de 3000 élèves ont pu quasiment reboiser une bonne partie de la commune.